Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, écoute, c'est le fun, j'ai revu les vacances, hein? Là, les vacances sont finies, hein? Ça faisait, écoute, 2 ans que j'avais pas pris 2 semaines de vacances consécutives. Ça fait bizarre, là, rien faire pendant 2 semaines. Normalement, le mardi, tu sais, je te fais les 10 rabais qui arriveront pas la semaine prochaine, mais vu que j'étais en vacances, je peux pas te dire qu'est-ce qui était en spécial la semaine passée, puis là, versus cette semaine, donc j'en profite de faire une petite vidéo de retour. En force de Papa Popote, puis de parler aussi des petits changements, des améliorations en fait que j'ai l'intention d'apporter là dans la circulaire de Papa Popote. Comme tu sais là, dans la circulaire de Papa Popote, ben, tu retrouves bien sûr les meilleurs rabais de toutes les épiceries qu'on n'a pas le choix d'aller, c'est-à-dire IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C pour se nourrir. Hein, c'est bien plate, mais il faut sortir quand même pour aller se nourrir. Donc là, moi, dans la circulaire, tu as vraiment les meilleurs, là, que je les ai identifiés pour toi, puis je les mets. Normalement, une circulaire de Papa Popote, ça présente 12 et 15 pages, dépendant des semaines. Puis ce qui est le fun, c'est que là, tu vois tout d'une traite, hein, avec les petites images, puis tout, tu vois le prix. Donc, c'est facile, c'est concis, puis tu sais, tu peux pas les manquer. Puis là, le système de couleurs vient de changer. Avant, je te mettais, bon, ce qui était en vert, ça faisait plus de 30 jours qu'on ne l'avait pas vu. Ce qui était en jaune, plus de 3 mois, ça, c'est le fun, c'est super. Mais par contre, ce qui est encore mieux que ça, c'est ce que je te propose en ce moment. C'est-à-dire que là, je fais un système de couleurs un petit peu plus élaboré, avec une légende. Mais si tu vas voir la légende, que tu n'as pas, c'est en haut, là, tu vas voir, là, par exemple, ce qui est en jaune, ben, tu sais que ça va être le poulet. Donc, si par exemple, chez IGA, Métro, Provigo, il y a du poulet en spécial, mettons la poitrine de poulet, hein, qui sera à 3,99 partout, sauf chez, mettons, Maxi, qui serait à 3,77, bien, lui deviendra en jaune. Ça t'indiquerait que le poulet, cette semaine, le meilleur prix se trouve chez Maxi. OK? Donc, du premier coup. Donc, toi, tu pourrais prendre, par exemple, la circulaire de Papa Papa, puis tu dis, moi, je vais avoir du poulet, chez qui en spécial, oh, le meilleur prix. Ah, c'est là, parfait, c'est là que je vais le chercher. Tu comprends? La même chose avec les autres protéines, donc c'est super. Avec ça, ben là, vraiment, là, ça va maximiser ton temps parce que l'idée de la circulaire de Papa Papa, tu sais, hein, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable de te sauver énormément de temps et d'argent. Donc, c'est sûr que tu peux scruter les circulaires de toi-même, puis ça, je te le conseille fortement de le faire. Mais avec la circulaire de Papa Papa, ben, ça t'indique ce qui est les vrais rabais. Puis dans un coup d'œil, ben, tu vois, comme je te dis, tout de suite, la protéine, hein, où elle se trouve là, la moins chère cette semaine. Écoute, c'est super. Je te conseille fortement de t'abonner au moins à la circulaire de Papa Popote, bien sûr. Qu'est-ce que ça coûte, là? Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Surtout qu'à tous les mercredis, avant 18h, tu reçois un courriel avec la circulaire de Papa Popote, là, avec tout ce que je vais t'expliquer. Donc, c'est fantastique. Puis en plus, mon bonus, ben, tu m'encourages à continuer et à pouvoir éventuellement en vivre. Hein? C'est ça l'idée de Papa Popote aussi. Puis si tu veux m'encourager davantage, puis ça t'intéresse encore plus de sauver, en plus d'avoir la circulaire, ben avoir les vidéos, pouvoir les télécharger, les audios, avoir des trucs, des petites recettes que je mets à l'occasion. Donc ça, avec l'abonnement VIP de Papa Papa, ben, tu obtiens tout ça. Okay? Ben, ça, c'est super. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec ce qui se passe en ce moment, je te mentirais pas que c'est difficile. Hein? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à aller faire mon épicerie avec un masque. Hein, à couvrir mon nez puis ma bouche. Comme c'est marqué dans le décret, là, ma condition physique ne me le permet pas. Donc, c'est sûr que c'est très, très pénible. C'est un calvaire, finalement, pour moi, aller faire ça. Puis je sais que c'est un calvaire pour beaucoup de personnes. J'ai regardé là, c'est quoi mes possibilités, parce que là, c'est certain qu'il y a aussi d'aller pouvoir acheter en ligne. Hein. Puis, je ne l'ai jamais fait. Personnellement, je n'ai jamais acheté en ligne parce que j'aime les gens. Normalement, j'aime ça, aller faire des commissions puis pouvoir jaser avec les personnes. Moi, je me pogne tout le temps les pieds quelque part quand je m'en vais faire des commissions parce que je suis une personne comme ça qui aime les gens. Puis, des fois, juste avec un regard, là, hop, j'accroche avec quelqu'un puis on se met à parler. Mais là, ça, c'est tout terminé. Donc, ça devient beaucoup moins intéressant. Puis, en plus, là, moi, j'étais un petit peu maniaque là, sur les bactéries, les bébés, depuis que je suis né. Là, moi, j'ai toujours été dédaigneux quand je me souviens, quand j'étais petit, mon père. S'il y avait le malheur de boire dans mon verre, là, fini, je ne touchais pas à ça. Je me suis fait chicaner souvent d'ailleurs, parce que mon père n'aimait pas ça, que je sois dédaigneux de mon propre père. Là, c'est sûr que même moi, j'étais gêné, mais c'était plus fort que moi. Je suis comme ça. Moi, je vois tout. Là, quelqu'un couche le couteau, met du comptoir, le poulet, là, je t'en parle, tu le sais, tu le vois quand je fais mes vidéos. Là.
depuis toujours, là, tu sais, je lave tout le temps, je me lave les mains fréquemment, tu sais, je suis un maniaque de la propreté. Donc, moi, là, quand tu me dis à moi de mettre un masque dans la face, là, ben là, moi, je vois juste des bactéries que je me mets en dessous du nez, puis ça me lève le cœur, là, ça n'a pas de bon sens. Juste à y penser, j'ai mal au cœur. Ça me donne une idée, là, j'y arrive pas du tout, du tout. C'est un problème que j'ai, là, c'est certain. Si toi, t'as pas de problème, là, tant mieux si t'as pas de problème à mettre un masque, là, écoute, t'es bien chanceux. Moi, malheureusement, je suis pas capable. Fait que j'ai regardé comment est-ce que je pouvais légalement m'en passer, puis j'ai trouvé avec les lois, pour faire respecter les lois, hein, des commerçants. Donc, je n'en parle pas plus ici, mais c'est certain qu'en tant que membre VIP de Papa Popote, ainsi que ceux qui sont abonnés à la circulaire Papa Popote, dans la prochaine semaine, je vais te mettre une vidéo, puis des documents légaux pour être capable là, de pouvoir aller continuer à faire tes épiceries, tes peu importe, aller dans tous les commerces, pouvoir aller dans tous les commerces de façon tout à fait légale, sans avoir à porter le masque, hein, c'est sûr. Pour ceux qui ne sont pas capables, là, il faut trouver une solution, sinon ça gâche trop la vie, hein, on s'entend dessus. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça. C'est bien dommage, mais tant que le gouvernement ne reprendra pas ses esprits et qu'il panique, là, c'est certain qu'il faut. Hein, parce que là, moi, qu'est-ce que j'ai arrêté d'avoir peur là, de la COVID. Hein, j'ai compris que c'était une grosse grippe. Pis, j'ai pas peur de pogner la grippe. Ce que j'ai peur en ce moment, c'est plutôt des mesures là, que notre gouvernement a mis en place. D'ailleurs, tu sais, nos enfants, ça m'inquiète énormément. Là, ce qu'ils veulent faire avec nos enfants, c'est inimaginable. Pour moi, c'est un cauchemar. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais on ne reste pas ça comme ça parce qu'on ne peut pas accepter que nos enfants aillent vivre dans une situation si tu t'en vas à l'école et qu'il faut que tu portes le masque, c'est parce que c'est dangereux. Puis moi, j'en vois pas mes enfants dans des endroits où c'est dangereux. Hein? C'est ça qui arrive. Si tu veux me faire peur, ben, j'ai peur. Puis quand j'ai peur, ben, j'ai des réactions, c'est sûr. Fait que, on va s'en reparler là, en privé, comme on dit. Mais juste te dire que ça va être différent un petit peu pour moi là, de faire les commissions. Fait que j'ai l'intention de faire des commissions en ligne. Puis je vais le filmer pour voir, tu sais, vu que c'est ma première expérience, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait ça non plus. Donc je vais le filmer, puis je vais essayer de faire une vidéo pour te montrer d'ouvrir un compte jusqu'à la réception, finalement, de mon épicerie, là, comment ça se passe. OK? Donc, ça pourrait être intéressant, puis ça peut te montrer comment ça fonctionne, si tu n'es pas familier avec les ordinateurs ou avec des commandes en ligne, ou tout simplement d'acheter en ligne. Mais je pense que ça vaut la peine de commencer à s'y attarder parce que ça va être de plus en plus vers ça qu'on s'en va, ça c'est certain. Donc sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée tout de même, une belle semaine. Surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.